Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter en deux, trois mots? En deux, trois mots. Moi, je m'appelle Agbi James. Je suis un nouveau étudiant. Je ferai une école appelée Esteba. C'est une école sur une école supérieure sur les analyses biologiques et médicales cette année. Et c'est un peu ça. Je suis à Angers. Ah, Angers, ouais. D'accord. Donc Ange, l'ONG qui se trouve à Lomé, qui est une structure d'accueil pour les enfants, dont l'objectif premier bien sûr est la rescolarisation et la réintégration dans leur famille ou des familles d'accueil. C'est devenu aujourd'hui une vraie référence, ça fait 10 ans qu'elle travaille presque jour et nuit on pourrait dire pour ces enfants. Quel est pour vous aujourd'hui le principal obstacle que Ange peut rencontrer? Le principal obstacle pour Ange. Alors pour le moment, on est logé sur un centre et le principal obstacle que je peux donner, c'est que on n'a pas bien les structures pour accueillir les enfants, mais c'est en cours. Alors je donne l'exemple d'une bibliothèque qui est en cours et d'un cyber aussi qui est en cours. Là, c'est-à-dire le directeur de Ange veut faire mieux pour bien satisfaire ses enfants. Mais présentement, l'obstacle qu'il a, c'est que les structures ne sont pas encore prêtes pour bien satisfaire les enfants. C'est un peu ça. D'accord, très bien. Et je crois que vous accueillez depuis une semaine maintenant Sophie Poget, la présidente d'Avenir en Héritage. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est Avenir en Héritage et qu'est-ce que ça représente pour vous? Avenir en Héritage, c'est que c'est une organisation ou bien une association qui a partenariat avec Ange. Alors, Avenir en Héritage aide Ange à chercher plus de fonds, à chercher encore plus de partenariats pour Ange qui va l'aider. Alors, c'est un peu ça. Et si je veux témoigner un peu, je me rappelle. J'ai connu le mari de Sophie, Jean-Christophe, avant Sophie, et il était ici déjà, c'est malade de se comporter, montre déjà le boulot qu'ils font en France pour Ange, quoi. Alors, c'est-à-dire, je peux dire, c'est une organisation humanitaire qui s'occupe de l'épanouissement de l'homme, pour moi. Mm-hmm. Ouais, et je trouve trop gentil Sophie et Jean-Christophe. D'accord, merci. Et c'est la fois d'un homme, j'ai dit à Sophie que j'adore son mari, elle est un peu jalouse. Je crois que vous avez des talents cachés. Est-ce que je peux me permettre de vous demander de dévoiler ces talents? Ah, tu dois payer. Je dois payer à main, parce que j'ai pas d'argent pour moi. Alors je fais une opposition sur Avenir en Héritage, c'est ça? Avenir en héritage, j'adore et moi j'aime. Avenir en héritage, j'adore et moi j'aime. En partenariat avec Ange, tu as apporté une pierre à la construction. J'adore et moi j'aime. Avenir en héritage, oh oh oh, Avenir en héritage, j'adore et moi j'aime toujours. Merci beaucoup Agbi. Merci.